Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Go. Aujourd'hui c'est une vidéo où il n'y aura pas beaucoup de chasse, il y aura du raid, il y aura une grosse séance d'éclosion de 10 km et des entrées dans le Pokédex tout de même. Mais on va commencer tout de suite par un petit raid Groudon. C'est parti. Allez, on va se faire un petit Groudon. Un gros Groudon. Avec l'ensoleil visiblement. On est bien parti pour. En tout cas. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ouais, donc il y a un 4-tête autour de nous. La météo renforce l'ultra laser de Dracolo. D'accord. Ah, c'est bien ça. Ultra laser, c'est un peu à chier quand même autrement. Ouais. Et là, tu vois, ça renforce. Lance soleil, on va se prendre des one shot. Sauf sur les Dracolos qui tiennent. Ah bah moi il l'a tenu hein, il a même pas la moitié là. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer directement sur la boule comme ça, ça lance. Tu tapes. Tu vois, je préfère faire ça qu'un Nidoqueen. Ah bah oui, Nidoqueen. Non mais au début tu me marques yes. Non, alors je me dis, ouais, elle est contente, il y a un Nidoqueen. Yes, par rapport à la 3G qui est arrivée demain déjà. Ah, ok, mais c'était dans la même phrase. Ouais, mais moi je. T'as fait yes, c'est un Nidoqueen le premier. J'ai dit, ah bon, elle veut faire un Nidoqueen, c'est bizarre. Moi, j'ai pas trop envie en fait. Je savais pas trop comment le dire, mais j'étais pas ouf sur le truc quoi. Alors j'ai pas voulu être vexant, toi. J'ai fait, ah bon, tu l'as pas. Tu l'as pas? Tu veux de l'aide? Ah, parce que des Nidoqueen on en voit partout ici. Des Nidorans, c'est. Ah, bah oui, de toute façon, il paraît que ça décompte plus. Ça, même si tu reviens, ça compte tes premiers impacts. En fait. Donc en fait, maintenant, ça sert plus à rien de rester chez toi. Il faut revenir. Ah ouais? Ouais. Elle est quand même coriace avec l'ensoleil. Hein. L'autre fois, on l'a eu, il restait 50-60 secondes, je crois. Il marque super efficace. Quand on partait tout à l'heure, elle en annonçait encore un sur l'emballe. D'accord. Il y en a partout. Ouais, il y en a partout. Il est mort. Il est mort ou je suis en train de. Ah oui, bah, les deux en fait. J'ai perdu mon équipe et il est mort en même temps. Donc j'ai perdu 6 Pokémon. 13 befs rambidorés. Ah merde, je suis même pas regardé. 6 hyper potions, 3 super bonbons. Bravo les bleus. C'est intéressant les béframbis dorés. 9 balls. Il y en a qui aiment pas trop ça. Et le meilleur, c'est quoi le. C'est dans les 2300 et des quelques. Mais il y a 2250. Ouais, le mien aussi, pas terrible. 2312 Gurban. Ah, il commence à être. 2312, je crois que c'est pas loin du. C'est dans les 2320. Excellent. Tu fais n'importe quoi pour ma première. Moi j'ai fait un excellent. Excellent. Je veux pas. Excellent. Ah putain. Ah, j'ai eu un lag. Bon, excellent quand même. Waouh, il sort du premier coup quoi. Excellent. Ah, j'allais dire celui-là. Bon, moi je suis bugué. Aïe. Encore excellent. Venir apprendre à faire des créneaux autour de ma voiture lui. Ah, il sort. Eh, mais il sort direct quoi. Aïe 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 aïe, j'ai ripé. Oh putain. Non mais ça me fait chier, t'as vu? Excellent. Je veux m'attraper et bah je l'ai pas, par contre quand j'attrape. Bien joué. 2298. Bien joué. Ah quand même. Et bah, au bout de 7 excellents, il est rentré. Ah non, je l'ai pas non plus. Moi non plus, non. Alors, première fois que je vois ce Pokémon. Le Nénupio. Fallait attendre en fait le bon temps.
Enfin, le bon temps. Comme vous avez vu, je suis bien couvert. J'espère que vous avez été gâtés à Noël. Inscrit dans le Pokédex. Donc, parce qu'il faut 125 bonbons. Ouais. Donc on n'a pas fini avec celui-là. Ouais, j'ai enfin trouvé un barloche. C'est mon premier figurant. Et on l'attrape. On a deux entrées de Pokédex ce matin. Excellent. Il n'y a plus qu'à trouver des bonbons. Petit Pichu, bah ça tombe bien parce que comme avec le bug qu'il y a eu à un moment donné avec les Pikachu spéciaux, j'avais supprimé par accident mes Pichu avec chapeau. Donc voilà, je le retrouve. Ah bah c'est cool, je le garde. Ouais, je crois qu'on est tombé sur un champ de champignons là. Regardez-moi ça, là partout. Donc désolé pour la séquence qui va suivre, c'est une série de 8 œufs 10 km qui vont éclore. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer le son en live et on commence tout de suite avec le Watt. Et là, en fait, c'était pas prévu, j'avais prévu de mettre une poussière pour voir un peu ce que ça donnait. Donc heureusement, voilà, j'ai réussi à mettre la poussière entre juste après le deuxième œuf. En fait, ça a éclos alors que je ne marchais pas. Donc le deuxième œuf, c'est un Embryolex, donc c'est pas trop mal. Le troisième. Alors là, c'est la cata. C'est les cata, c'est le simularbre qui sert à rien. 10 km pour un simularbre. Encore un Watt. Donc là, j'en ai pas vraiment besoin de Watt. Continue dans ses éclosions. Et nous avons un Porygon. Donc là, c'est pourri. C'est pourri. Continue. Voilà, le Ptera, c'est la totale. Le Ptera, ça sert vraiment à rien pour nous. Donc à chaque fois on fait 3200 poussières du coup avec, avec cette poussière. Et là c'est le jackpot. Jackpot. Petite entrée dans le Pokédex. On a le Barpo qui est à 96%, donc c'est parfait. Et là j'étais content. Et là le classe. Bon. Fini plutôt pas mal. Un petit lot classe pour finir. Voilà. Allez, on va se faire un Alakazam. Donc on sera, à mon avis, on sera que deux. J'ai encore des soucis avec la tablette de Dengar. Je comprends pas. Je comprends pas ces erreurs de réseau là. Non, il est venu. Oh, bah si. Oh, il est venu, mais il a des erreurs de réseau. Alors que nous, on n'en a pas. C'est bizarre. Est-ce que c'est le partage de co qui est ça? Je sais pas. Bon, le petit Alakazam. Donc, on est super efficace avec notre Tyranocif dessus. Puis il utilise Balombre. Nous on a des lames de roc. Donc ça va aller très très vite.
Et voilà, le petit Alakazam. C'est bien, ça change. J'en ai pas vraiment besoin, mais... On se refait des bonbons. Et ça, ça peut toujours servir. Alors nous, on va pas les utiliser, on va les conserver parce que à la caserne, bon bah j'en ai des tonnes. Je le garderai peut-être s'il est bien. En plus, on le prend du premier coup avec une petite béframie normale. Tout bénef. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Twitter pour avoir plus d'infos. En attendant, moi, aujourd'hui, il fait beau. Ça fait un moment qu'on attend ça ici. Il faisait un temps dégueulasse ces derniers jours. Donc, bah, je vais partir en chasse pour faire des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.